à tous, c'est Pika Gaming et aujourd'hui on est pour une vidéo sur GTA 5, non pas faire du projet course, donc je suis vraiment désolé, hein, j'en fais de trop je pense, et voilà, donc si vous voulez d'autres concepts de vidéos, donnez-moi des vidéos en commentaire, enfin des vidéos que je peux faire en commentaire, donc voilà. Et sinon le projet course va continuer, hein. Y en a plein qui vont en sortir là en ce moment. J'ai plein de montages à faire, enfin bref. Donc aujourd'hui c'est pour vous dire comment gagner de l'argent et des RP. Donc par exemple moi j'ai 3 millions 2, je suis niveau 149. Donc, comment j'ai fait, je vais vous montrer. Alors déjà moi quand j'ai commencé comment dire, j'ai commencé par prendre bon les 3 millions je les ai eu grâce à, je vais pas vous le cacher hein, quand même grâce à un truc qui a tourné, une sorte de glitch, et bon, je vais pas vous dire en détail. Mais les RP je les ai pas eu grâce à ça, je les ai eu grâce aux livraisons et tout. Alors je vais vous montrer maintenant comment gagner de l'argent. Alors je vais vous montrer. Hop. Bon déjà je vais recommencer depuis le début, enfin vous savez à ma dernière vidéo de comment gagner de l'argent, c'était à l'époque je sais plus. Ça date de 2 ans. Et c'était braquer des magasins. Donc braquer des magasins, oui ça c'est de 1 à 10. Donc je vais reprendre tout jusqu'au début. Alors déjà premièrement pour être de 1 à 10, quand vous êtes de niveau 1 à 10, mais voilà, vous avez pas trop d'argent, vous savez pas quoi faire, commencez par braquer des magasins. Franchement ça rapporte beaucoup de braquer tous les magasins de Los Santos. Bon perso c'est ce que j'ai fait là, j'ai braqué des magasins à Los Santos. Après vous allez me dire ouais c'est pas beaucoup pour braquer tous les magasins à chaque fois, ça vous rapporte de l'argent quand même. Donc regardez par exemple, je sais pas combien ça coûte d'argent en tout. Attendez, on va voir tout de suite. Hein. Hop, tac, tac. Bon, soit vous le tuez, soit vous, c'est lui qui fait ça, mais c'est mieux de le tuer puis prendre l'argent. Donc là, par exemple, c'est 1031$ et franchement, c'est vraiment assez pour. Donc 1000$, il y a combien d'épiceries? Il y a combien d'épiceries? Il y en a 19. Donc attendez, parce que là j'ai les flics, on va calculer. Donc en tout, vous pouvez gagner 19 589$ environ. Donc c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Déjà, braquer tous les magasins pour avoir 19 000$, je pense que vous êtes assez bien. Voilà. Ensuite, deuxième astuce. Donc, là, imaginez, vous êtes niveau 5. Je pense que braquer toutes les épiceries, vous êtes à peu près niveau 10. Ouais, niveau 10. Pas niveau 5. Donc, niveau 10. Et vous êtes en train de... Voilà, vous avez braqué tous les magasins, vous êtes niveau 10, vous êtes content. Maintenant, pour avoir beaucoup plus d'RP et de l'argent, il faut faire des courses. Donc des courses, activités, jeux activités, créées par Rockstar. Alors moi, je vais vous proposer plusieurs courses. Alors, je vous propose de faire ma course. C'est le mec, voilà. D'ailleurs, je vais la faire ma course. Je vous propose de faire la course vidange. Donc pour vous dire, hein, ma course s'appelle n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce nom. Mais voilà, je vous la présente. C'est une course... Voilà, pas,
pas connu. Enfin bref. Voilà, vous pouvez gagner de l'argent en faisant les courses, les affrontements, etc. Voilà, donc vous allez. Si vous tryhardez les courses, je pense que les deux. Ah oui, non. Je pense que vous tryhardez jusqu'à 20 000 dollars. Donc, hop. Donc, j'ai dit quoi? 19 000. Vas-y, attendez. 10. Donc déjà, si vous faites un. Si vous. Déjà, vous avez 19 000 dollars, vous additionnez par. Bon, c'est pas des cours de maths, hein, mais. Si vous additionnez de 20 000, vous avez 39 589 dollars. Donc, franchement, 39 000, à part si vous tryhardez vraiment. Sinon, je vous conseille une course qui s'appelle. Enfin, une course. Non, une mission cette fois. Qui s'appelle. Enfin, je vous conseille plutôt les missions que les courses en fait. Donc, la mission s'appelle. Racket Sasquatch. Ça rapporte 20 000. 20 000 dollars, ça rapporte. Et voilà. Donc là, je vous montre un peu les. Le. Ma course. Alors moi je fais juste une course pour vous montrer voilà pour vous montrer. Attendez parce que en fait petit problème dans ma vie. Mon casque il est comment dire il est pas c'est pas un professionnel voilà hop bon bref hop donc moi je vous présente la course. Alors franchement, elle est toute simple. Mais il faut quand même bien jouer. Après, ce serait bien de. Voilà. En fait, ma course, c'est plutôt. Ça, c'est sur les autoroutes. Ça peut être aussi ici, par là. D'accord. Hop. Donc, ça peut être ici. Hop. Tac, on va aller là. Voilà. Voilà, après moi les courses casse-cou et tout, j'en fais pas du tout, hein, parce que je trouve pas que c'est pas mon genre. Après les courses casse-cou, c'est vrai que ça peut rapporter vu qu'il y a de l'argent, double argent, double RP. Donc ça va, franchement, vous êtes assez bien. Et ouais, donc ce que je vous conseille, c'est la mission Racket Sasquatch. Ça vous rapporte 20 000. Et si vous tryhardez beaucoup, bon, la mission dure longtemps. C'est juste des. Vous avez juste à prendre des Monster Truck. Enfin, un Monster Truck. Exploser toutes les voitures à cibler. Enfin, toutes les voitures qui sont. Sur la carte en rouge, donc tout ce qui est à détruire, quoi. Vous détruisez, et normalement, dès que vous avez normalement, vous avez les flics, mais ça, les flics, vous en foutez parce qu'ils vous poursuivent juste. Bon, ils tirent dessus quand même, mais voilà, ils font pas. Voilà, vous en foutez d'eux. S'il y a des flics, bah, vous tirez dessus. Et comment dire. Déjà, si ça vous rapporte 20 000, c'est très bien. Et puis après, comment dire, après la mission, c'est aller au S là où on va à l'entrepôt. Voilà, à l'entrepôt, ils vous demandent de. Enfin bref, vous allez connaître le truc. Voilà. Et normalement, vous allez gagner à peu près. Des fois 15 000, ça fait 15 000, mais après c'est 20 000. Alors imaginez-vous si avant elle était double RP la mission et on gagnait 40 000 par 40 000, donc c'était vraiment cheaté. Voilà. Après, est-ce que je vous conseille aussi? Donc là, on va arrêter de. Voilà, hop. Après, moi, je m'en fiche. Tac. Après, ce que je vous conseille aussi de faire. Alors, attendez 2 secondes. On se retrouve juste après. Donc, je disais,
peut-être, enfin aussi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter une salle d'arcade. Donc ça coûte vraiment cher, désolé, mais voilà. Comment dire? Donc c'est que en fait, ah oui, non, j'ai une autre astuce. Si votre pote est riche et enfin tout ce qui est plus cher, genre salle d'arcade et tout, et bah, il a la salle d'arcade, vous lui demandez pourquoi pas faire un braquage casino. Le braquage casino, je vous le conseille fortement. Vous disiez à votre pote, tiens, tu me fais on fait deux braquages casino ou trois. Bon, c'est sûr que les missions de préparation, c'est très 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 dur à faire. Enfin, c'est pas dur, mais c'est très long. Ça prend à peu près une matinée, voire une après-midi entière. Enfin, ça prend pratiquement une journée. Et après, dès que vous avez tout fini, voilà, vous faites les deux trucs. Normalement, ça peut vous rapporter. S'il vous met 55%, ça vous ferait à peu près un total de 420 000. C'est vraiment pas mal. Donc, j'étais à combien? 39 000. 39 953, on va dire, je crois. Vous faites plus 420 000. 1, 2, 3, voilà. Et là, vous êtes et là, vous êtes déjà riche. Vous êtes niveau pratiquement 20 et vous êtes déjà à 459 000. Alors, vous savez, GTA Online, c'est. On gagne de l'argent facilement, il y en a qui disent que c'est dur et tout. Mais après, vous avez vos amis pour qui vous aident à avoir de l'argent. Moi perso, Zartox aussi m'a aidé, etc. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est d'acheter aussi un complexe. Bon, après, vous demandez aussi à votre pote pour qu'il vous fasse, pour qu'on fasse, que vous faites. Les missions de l'acte 1 et acte 2. Vous pouvez arrêter à l'acte 2, après l'acte 3 si vous êtes vraiment chaud. Si vous, enfin, l'acte 1 vous rapporte, si vous êtes en difficile, 800, vous rapporte, comment, 850 000, un truc comme ça. 850 000, tac. Donc là, je suis en train de avec ma calculette. Et là, déjà, vous êtes déjà à 1 309 000. Après, il faut quand même acheter des armes pour faire les complexes et tout. Et voilà. Donc déjà, vous êtes déjà à 1 300 000. Et si vous faites l'activité nom de code Bogdan, vous êtes déjà. Non mais vous imaginez pas, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Donc l'activité Bogdan, donc on va compter aussi les délits, enfin le truc de délits de je sais plus quoi, délai de enfin les défis quoi. Et ça vous rapporte 1 050 000 de enfin ça plus enfin voilà. Un truc comme ça, voilà. Donc en tout, ça vous rapporte 1 059 000 quand vous faites le défi élite. Voilà, défi élite, et là ça vous rapporte 1 059 000 vu que vous avez voilà. Donc déjà, 1 059 000, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Donc déjà, vous êtes déjà à 2 368 953 $. Donc là, vous êtes vraiment bien, genre, ouais, vous êtes vraiment bien. Après, il y a aussi les missions PDG, c'est-à-dire, si vous avez un petit entrepôt de 16 trucs, ça va vous rapporter, si vous tryhardez à mort, maximum 625 000. Donc déjà, vous êtes déjà à 2 993 953. Et là, vous dites. Bah, c'est assez, enfin, vous avez déjà de l'argent au niveau 30. Vous vous rendez compte? Si vous voulez, je vous fais une vidéo où, avec un autre personnage. Genre, je vais changer de personnage et je vous montre avec tout ça, pas en live bien sûr, mais en vidéo, combien
à peu près ça coûte ça. Voilà, donc et aussi il y a les clubs de moteurs, donc bien sûr il faut acheter, mais vous achetez les moins chers, comme le complexe, le bunker et tout. Tout moins cher, moi je vous conseille d'abord, enfin, de plus prendre le moins cher dans la cocaïne et dans la meth, ça rapporte plus. Et voilà, c'est franchement la meth. Là, moi perso, je suis à combien? Je suis à dans la cocaïne, je suis à 410 000, non, un truc comme ça, ouais. Non, je vais pas abuser, à 240 000, donc vous imaginez combien, voilà. 240 000, voilà, déjà vous êtes à 3 millions 2, plus vous faites la messe, donc là je suis à 63 000, mais en même temps voilà, par exemple vous êtes à 63 000, vous vendez quand même, le temps c'est de l'argent, voilà, donc là 63 000, voilà, et là 3 millions 296 000 si vous voulez farmer un peu plus. J'ai pas vu le maximum, il faudrait que je mette le maximum. Aussi, en faisant le truc de PDG, vous allez aussi, comment dire, vous pouvez aussi avoir un trafic de véhicules. Donc le moins cher c'est 1 million 50 000, un truc comme ça. Donc vous perdez 1 million 50 000, donc voilà, donc 3 millions, franchement vous êtes très très bien. Après, si vous ajoutez les améliorations, je pense que il y a un truc de x2, un truc comme ça. Bon, après je vous conseille pas d'acheter les améliorations parce que le temps c'est de l'argent, quoi. Et dans le voilà, vous achetez un trafic de véhicules, et normalement maximum vous avec toutes les voitures, genre ça peut être haut de gamme, ça peut être bas de gamme, ça peut être milieu de gamme, vous gagnez en tout, je dirais maximum 400 000, je dirais. Donc déjà là vous êtes à 3 millions 2, donc là je compte pas les achats en plus, hein. Donc voilà, après là, d'accord, alors après là, après je vais vous dire ce qu'il faut pas acheter, parce que voilà. Donc déjà, alors j'avais dit quoi, 400 000. Déjà vous êtes à 3 millions 6. Alors 3 millions 6, les gens, c'est quand même beaucoup. Vous pouvez acheter déjà, si vous n'avez pas d'appartement, si vous avez tout farmé à fond pour acheter un appartement, déjà ça c'est, vous pouvez dire, si vous avez des potes qui vous aident, vous pouvez leur dire merci, et les 3 millions c'est grâce à eux, voilà, parce que si vous avez des amis de confiance et tout, c'est aussi grâce à vos amis. Après, s'ils sont pauvres aussi, vous pouvez par exemple faire les courses avec eux, faire les activités du racket à squash tous les deux, enfin voilà. Par exemple, voilà, si votre ami est pauvre, moi je vous conseille de faire de l'amusement, et puis en même temps ça gagne de l'argent. Voilà, ça mange pas de pain. Et voilà. Alors, donc trafic de véhicules, ça maximum 400 000. Je dirais plus, hein. Dites-moi dans les commentaires si c'est plus ou pas, enfin si je me trompe dans les trucs ou quoi, mais voilà. Donc bah après, si vous avez pas, si vous avez assez, là je pense que 3 millions vous avez assez, vous achetez un bunker. Un bunker, vous achetez, bah, le moins cher vous achetez, et vous faites les stocks et tout, c'est votre business, voilà. Ensuite, ou alors peut-être pas le bunker à acheter, mais le casino. Donc le casino, je vous conseille d'acheter la suite avec terrasse. Pourquoi? Parce que déjà, la suite avec terrasse, je vous conseille de l'acheter, voilà. Parce quoi? Parce que comment dire? Donc j'avais dit quoi? J'avais dit conseiller d'acheter la suite avec terrasse.
parce que les missions de Madame Baker vous rapportent jusqu'à 1 200 000 ou 1 million de dollars. Si c'est plus, voilà. Donc déjà, vous avez déjà 1 million. Moi, je dis que 1 million. Mais déjà, vous avez déjà 4 millions 6. Donc déjà, faut pas se plaindre. Après, si vous avez acheté la suite avec Terras, il vous restera au moins 3 millions. Mais 3 millions, les gars, c'est bien. Après, si vous n'avez pas la voiture, vous achetez la voiture. Juste la voiture, hein, pas des milliards de voitures comme tout le monde fait. Vous avez juste à acheter une voiture, voire une moto. Enfin, et puis c'est tout, quoi. Vous achetez la voiture la plus rapide de GTA. Enfin, mon projet course, n'hésitez pas, hein. Et voilà, voilà. Hein. Par exemple, vous achetez la vigilante et basta. L'autre voiture que vous avez achetée, vous la vendez. Moi, je fais ça, par exemple. Moi, quand j'ai plus d'argent, tac, on fait le projet course et tac, je la vends. Déjà, ça me rapporte de l'argent. Et il faut bien savoir que vous en servez plus de votre voiture. Genre, si vous avez la vigilante, ça sert totalement à rien d'acheter une belle voiture. Ça sert totalement à rien. La vigilante, elle est faite pour par exemple, les sorties de prison, enfin, voilà, les missions, quoi. Vu que on peut l'utiliser dans les activités. Aussi, dans les appartements, il y a aussi tout ce qui est. Comment dire, tout ce qui est mission, donc mission de préparation, enfin braquage et tout. Donc ça veut dire la flic à banque. Donc déjà, si vous avez 3, non mais vous vous rendez compte un peu, vous avez 3 millions et vous faites le braquage de la flic à banque qui coûte 45 000 si vous faites en difficile, non 46 000 pardon, si vous prenez vraiment 55% et puis basta pour l'autre. Ou pour votre ami si vous avez, voilà. Et déjà vous êtes déjà à 4 millions 7, voilà. Ensuite il y a donc là, après il y a la sortie de prison, maximum 4 personnes, donc c'est maximum. Vous faites sortie de prison et normalement ça vous fait un total de oh là là. Attendez, je sais plus vraiment, je crois que c'est 200 000, je crois. Je crois que vous avez 200 000 pour vous, ou 120 000, ouais, je crois que 120 000 vu que ça vous partagez. Donc 120 000, on va dire, si je me trompe, vous me le disiez, hein, dans les commentaires. Voilà, donc 120 000. Après, vous rajoutez un plus sur votre calculatrice. Et après, vous calculez le celui de Trevor qui coûte bon 200 000. Et donc, je crois que ça rapporte 400 000, je crois. Je suis pas sûr. 420 000, on va mettre, je crois. Voilà, donc vous êtes déjà à 5 millions. Et là, la Pacific Standard, donc si vous prenez tout pour votre pouvoir, vous êtes à 500 000. Pratiquement 500 000, et si vous faites un glitch ou un truc comme ça pour avoir 10 millions. Non, je crois que c'est ça, c'est quotidien. Et là, tu vois, t'as 5 782 000. Ça, c'est la somme totale que tu vas avoir, que vous allez avoir quand t'auras beaucoup d'argent, enfin que voilà, tu seras à peine niveau 40, t'auras déjà 5 millions de dollars. Voilà. Alors maintenant, si vous avez plein de super sportifs, vous êtes riche et vous commencez à être pauvre comme moi, ceux qu'ils ont, vous savez, comment dire, si vous avez par exemple beaucoup trop d'argent et vous avez fait un stock de Deluxo comme moi, enfin maintenant j'ai plus de Deluxo. Si vous avez fait un stock de Deluxo comme moi, de 10 places ou 20 places, moi perso je vous conseille vraiment de les vendre, hein, en vendre une par une chaque jour par exemple. Si vous n'avez pas assez d'argent pour améliorer un truc, vous vendez une Deluxo,
Après, si vous en avez plus de Deluxo, c'est pas grave, vous faites vos missions PDG et tout, vous aurez un peu plus d'argent. Donc voilà, donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, hein, parce que je pense que la vidéo va durer très longtemps, très longtemps. Vous savez, il y a plein de choses à faire sur GTA, hein. Vous pouvez faire tout ce qui rapporte, ça rapporte quand même, quoi. C'est voilà, c'est tant que vous avez par exemple 1$ de plus, genre là 26$, c'est de l'argent gagné. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut pas acheter. Donc là, on va aller sur internet. Et ah oui, je vous ai pas dit les hangars. Bon, après, j'ai pas fait l'émission des hangars, donc ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut pas acheter, c'est les voitures. Il y a des voitures qu'il faut pas acheter, forcément. Par exemple, le jet privé à 10 millions. Bon, par contre, je viens de voir qu'il y a beaucoup de promotions là-dedans. Ok, donc, c'est le truc à 10 millions. Il faut pas l'acheter du tout. Ça sert totalement à rien. Vous avez 10 millions au moins. Voilà. Voilà. Les véhicules d'arène à voir, vous faites comme vous voulez. Ah oui, c'est aussi le yacht. Ah bah non. Ah bah non, du coup. Ouais, du coup, le yacht, vous pouvez l'acheter. Vu que avant, ça servait totalement à rien. Vu que. Voilà. Il y a aussi le bus à pas acheter, le bus pénitentiaire, encore le bus pénitentiaire, ça va. Vous pouvez l'acheter pour des RP, le bus ça aussi, enfin bref. Tout ça là, si vous aimez que l'argent, vous achetez pas les bus, hein, ça sert totalement à rien. Par exemple aussi, il y a la. Je sais pas quoi vous dire, mais. Voilà, par exemple, ce qui est utile que vous achetez si vous avez 5 millions comme je viens de vous dire, c'est d'acheter la oppresseur MK2. Et oui, vous perdez peut-être beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent gagné, tu vois. Genre, t'as la vigilante, t'as la oppresseur MK2. Si par exemple la vigilante, ça sert plus. Enfin, non. Si par exemple vous avez plein de voitures qui coûtent cher, vendez-les. Et si c'est que pour l'argent GTA. Prenez que la vigilante et la oppresseur MK2. Bah, je pense que c'est tout, hein. Tout ce qu'il faut pas acheter. Après, il y a quoi aussi qu'il faut pas acheter? Après, moi, je vous conseille de pas acheter l'arène à voir, ça sert totalement à rien. Après, oui, ça rapporte de l'argent, c'est vrai, mais l'arène à voir, ça. Enfin, je sais pas, franchement, voilà. Les missions de Gérald, je les ai pas encore fait, je sais pas si ça rapporte beaucoup. Les clubs de motards, bah forcément, etc. etc. Il y a quoi aussi? Bah, je pense que c'est tout. Hein, ouais, c'est tout. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça vous avez compris. Et je pense que j'espère si vous êtes si vous devenez riche, et bah vous me le dites dans les commentaires. Sinon, je vous redonne les conseils. Enfin, si vous êtes riche, disez-le moi. Non, bref, vous penserez à moi quand vous serez riche. C'est le mec qui gratte. Bref, c'est la fin des vidéos. Si vous êtes riche, bah tant mieux pour vous. J'espère que mes conseils auront été clairs. Donc moi c'est la fin de ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut.